François? Alors, la clé que j'ai dans la poche, ça aurait pu vraiment apparaître dans un film de James Bond. Ah, puisque... Alors, si Daniel Craig nous voit, il va être sans doute très intéressé. Peut-être pouvoir la montrer. Alors, cette clé. Ouh là là, ça, cette clé, c'est un vrai petit coffre-fort. Et pour déverrouiller le coffre-fort, il faut rentrer un code. Et donc, c'est une clé qui embarque un circuit de chiffrement matériel des données. Donc, par opposition à un chiffrement logiciel. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas rentré le code, on ne peut accéder à rien du tout. Donc il y a un clavier sur la clé, c'est ça qu'il faut bien préciser. On va la voir dans un instant, je suis sûr. Mais ça veut dire que je la branche sur mon port USB, là, d'accord ? Si je ne rentre pas le code, elle ne sert à rien. Elle ne sert absolument à rien. Mais ça n'existait pas, ça ? On ne peut absolument pas y accéder. Si, c'est une technologie qui a déjà été... qui est déjà apparu dans les modèles ultra professionnels. Ouais. Et là, c'est un modèle qui est à la fois pour les pros, mais aussi pour le grand public. Mm-hmm. C'est fait par une société qui s'appelle iStorage, qui est vraiment spécialisée là-dedans. Je crois que je vous avais déjà montré en fait, l'équivalent avec un SSD portable, qui était encore plus délirant, avec, donc il y avait carrément un petit clavier sur le SSD. Mais ça, c'est la version clé USB, qui est quand même un peu plus facile à transporter. Et c'est pour vraiment mettre ces petits fichiers qu'on veut vraiment sécuriser complètement. Et donc... L'avantage du chiffrement matériel, c'est que déjà, petit 1, bah, évidemment, il n'y a pas d'accès du tout à la clé. Donc, un pirate ne peut même pas tenter de craquer les fichiers qui sont dessus, puisqu'il ne peut pas accéder aux fichiers. Mm-hmm. Et petit 2, c'est totalement indépendant du système d'exploitation. C'est-à-dire que c'est une clé qui marchera autant sous Windows que sous macOS. Parce que le problème des systèmes de chiffrement logiciel, c'est qu'il faut le logiciel pour Windows et pour macOS, et ça pose un problème. Finalement, pas de problème. Donc, en fait, le truc, c'est qu'on rentre le code avant de brancher la clé, et ensuite on branche la clé et elle se comporte exactement comme une clé USB normale. Il y a une batterie à l'intérieur, il faut une pile. Il y a une petite pile rechargeable, il suffit en fait, quand on la branche sur le port USB, ça en profite pour recharger. Et quelle est l'autonomie de cette clé? Enfin, cela dit, finalement. Non, il ne le dit pas. Il dit juste qu'en fait, il faut charger 30 minutes avant de s'en servir la première fois. D'accord. Et après, si on s'en sert régulièrement, il n'y a pas de souci. Je crois que je l'ai bloqué là. Tu peux la bloquer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Enfin voilà, c'est Daniel Craig qui va être embêté. Ils ont poussé le bouchon très loin parce qu'il y a même un concept d'utilisateur et d'administrateur. Donc l'administrateur peut avoir son code et il peut définir le code de l'utilisateur. Comme ça, si l'utilisateur promet le code, l'administrateur peut reprendre la main. Il peut décréter que la clé peut être soit en lecture-écriture, soit en lecture simple. D'accord. Ce qui fait qu'on ne peut pas modifier, on peut consulter, mais on ne peut pas modifier les fichiers qu'elle contient. Et en termes de débit... Donc ça, c'est le modèle le plus élevé de 64 gigaoctets. Ça fait du 113 mégaoctets par seconde en écriture et du 156 mégaoctets par seconde en lecture, ce qui est plutôt pour une clé USB 3.0. D'accord. Oui, donc, parce que le problème, des fois, c'est qu'il y a des clés sécurisées qui ont des débits qui sont vraiment pas terribles. Donc là, au moins, il y a les deux. Le seul bémol, évidemment, c'est le prix. C'est le prix. Allez, allons-y. Donc ça, c'est le modèle Pro. Donc le modèle Pro, il commence à 59€ pour 4 gigas et il se termine à 155€ pour 64 gigas. Ouais, bon, c'est du pro, comme tu dis. Alors après, si on veut vraiment se la péter, eh ben pour 6€ de plus, on peut avoir son nom. Oh, son boîtier. Parce que donc il est livré avec ce petit boîtier qui la protège, protège le clavier. J'aurais pu faire graver James Bond plutôt. Il a choisi François Bonin, qui est aussi un espion célèbre. Aux dernières nouvelles, c'est mon nom, donc. Voilà, donc. Alors, quand même, il existe aussi un modèle moins cher, qui est le modèle qu'ils appellent personnel. Le modèle personnel, il se distingue du modèle professionnel que le modèle pro est en métal, le modèle personnel est en plastique. D'accord. Là, il y a un très beau boîtier pour protéger. Sur le modèle personnel, le clavier est à nu et il y a juste un bouchon pour protéger le port USB. Mais le prix est plus intéressant puisque ça commence à 47€ pour 8 gigas et ça se termine à 95€ pour 64 gigas. Donc ça reste assez raisonnable.